Alors, pourquoi par hasard, j'habitais juste à côté du Cercle Tissier à Vincennes quand j'avais 9 ans. Et donc, j'avais une amie avec qui je jouais dans la cour juste à côté qui faisait de l'aïkido et qui m'a amenée au Cercle Tissier. Donc, j'ai regardé une séance assise sur le bord du tatami et j'ai demandé directement à me faire inscrire 2 fois par semaine. En fait, ce qui était assez rare déjà pour l'époque parce que les enfants pratiquaient 1 fois par semaine, mais moi, je suis tombée dedans comme Obélix dans la marmite quand j'étais petite. Voilà, donc j'ai commencé en 89. Et voilà, donc là, ça va faire mes 30 ans de pratique, toujours au Cercle Tissier. J'ai fait tous les cours du cercle, j'ai fait les cours enfants, les cours enfants-ados, les cours adultes, voilà, les cours d'armes. Ensuite, quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé les cours d'armes. Donc voilà, ça fait 30 ans de pratique avec Christian et avec les élèves qui donnent des cours au cercle. Non, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a quelques-uns, mais d'avoir une filiation comme ça aussi longue, on n'est pas si nombreux. Enfin, par exemple, les enfants qui ont commencé avec moi, ils ont tous arrêté. J'en connais pas aujourd'hui qui ont continué. Et c'est malheureusement encore un peu le cas de génération en génération. Il y en a qui continuent, mais enfin, c'est quand même pas le. Par contre, ce que je note, c'est que les gens qui ont commencé tôt finissent souvent avec à être soit pro, soit donner des cours, soit être très investis dans la discipline pendant longtemps, mais il y en a peu, c'est vrai. Alors, ben, je vais commencer par le côté, les avantages, c'est-à-dire que c'est le plus grand centre européen d'aïkido. Il y a beaucoup de monde, voilà, il y a beaucoup de niveaux différents, il y a beaucoup de gens d'un haut niveau, bien sûr. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont là, donc c'est tout de suite un bain qui, voilà, c'est le grand bain tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a des cours débutants à Vincennes, donc ça permet d'avoir un petit palier avant d'arriver dans la grande cour. Mais donc ça va être le pendant, c'est-à-dire que ça peut être une opportunité pour progresser assez vite finalement parce qu'on est dans un bouillon de gens qui travaillent bien avec des bons enseignants et puis le pendant c'est qu'il faut s'accrocher quand même parce que c'est un petit peu dur, le niveau est élevé, le rythme de pratique est rapide, voilà c'est un petit peu on est un peu dans l'excellence et dans l'exigence donc il faut aussi un profil de gens qui sont prêts à s'investir comme ça. C'est vrai que les gens qui viennent que pour du loisir, peut-être qu'ils auront un peu plus de mal à rester longtemps dans ce club-là en tout cas. Alors, ça a changé, oui et non, parce qu'en fait, il essaye d'être quand même très, très régulièrement présent quand il n'est pas en stage à l'étranger, ce qui lui demande d'être absent dans la semaine. Mais enfin, il a une régularité de présence dont on peut être vraiment honoré et fier parce qu'il se fait ça toutes les semaines et c'est pas facile pour lui, je pense. Donc, ben, il est quand même très, très présent. La chance qu'on a, c'est d'avoir depuis. Alors, il y a des profs qui ont changé, bien sûr, mais d'avoir une régularité dans les enseignants qui sont là. Je pense à Pascal, à Bruno, à Fabrice qui sont là depuis des années, mais on a eu d'autres enseignants aussi qui ont été là pendant longtemps et qui ont vraiment fait le socle. Voilà, c'est la richesse aussi, c'est d'avoir l'enseignement de Christian 2 fois par semaine, mais complété par un certain nombre d'enseignants qui sont là pour assurer. Alors à l'époque, c'était Pascal et Bruno qui assuraient vraiment les bases de Christian pour que Christian puisse faire le travail un peu plus avancé. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, c'est-à-dire que chaque enseignant ayant aussi pris en grade, chacun fait un petit peu son travail personnel. Donc ça, dans ce sens-là, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'enseignants qui s'occupent des bases et un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus divers dans les manières d'enseigner. C'est peut-être ça qui a évolué, mais la présence de Christian, elle est tout aussi importante que de l'époque que j'ai connue à aujourd'hui. Dans l'atmosphère, certainement oui. Alors, il faut remettre ça aussi en contexte. Hein. Moi, quand je suis passée au cours adulte, j'avais 14 ans. J'étais avec ma petite ceinture marron et mon hakama. Donc, les 3 premières années jusqu'à ce que je passe ma ceinture noire ont été très, très difficiles parce que y avait l'enseignement peut-être était plus dur, était plus physique, enfin physique au sens un peu brut entre guillemets, voilà. Donc bon, je me suis fait pas mal malmener. Le protocole était peut-être beaucoup plus strict aussi. C'était un petit peu. Oui, un peu plus dur d'une manière générale. Les rapports entre les gens étaient durs aussi. Alors aujourd'hui, les rapports sont techniques, toniques, physiques, mais peut-être plus bienveillants. En fait, les gens sont peut-être plus bienveillants les uns avec les autres, les hommes avec les femmes entre elles. Enfin, moi, j'ai connu une époque où les femmes étaient dures entre elles, les femmes étaient dures avec les hommes. Enfin, voilà, c'était un bain général qui était dur, mais
pas tant dans les rapports, enfin, si dans les rapports physiques, mais plus dans les rapports humains, et c'était ça qui était le plus dur à vivre finalement, alors qu'aujourd'hui, bon, évidemment, j'ai pas le même niveau, j'ai pas la même expérience, faudrait demander à des gens qui, je pense que pour les gens qui, encore une fois, qui commencent aujourd'hui, c'est dur, mais c'est dur parce que le niveau est élevé, le niveau de technique et d'exigence est élevé. Après, c'est, je pense que vraiment c'est dans les relations entre les gens que ça a évolué en bien. C'est pas que mon avis, à mon sens, c'est le fruit de discussions avec quelques générations de pratiquants et de pratiquantes surtout. Je pense que ça a évolué dans un sens plus, toujours aussi intense, mais plus bienveillant. Je dirais plus bienveillant. Alors, je dirais qu'en termes de cohérence technique, elle y est toujours, bien sûr, hein, puisque les élèves qui font cours au cercle, ce sont des élèves de Christian, donc il y a une cohérence de toute façon, mais ce sont encore une fois des gens qui ont évolué dans leur pratique. Donc, ils n'enseignent pas maintenant comme ils enseignaient avant. Peut-être celui... Alors, évidemment, l'enseignement de Christian a évolué aussi, mais il y avait peut-être plus, comment dire, une lignée directe dans les cours qu'on faisait du lundi au vendredi, puisque moi je faisais tous les cours du cercle, hein, donc il y avait peut-être plus une répétition systématique, Suhari, Hamyondachi, Tachiwaza, systématiquement. Je me souviens de cours avec Bruno, on faisait beaucoup, beaucoup de Suhari, Hamyondachi, qui nous donnait vraiment les clés pour la pratique après en Tachiwaza. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, ils enseignent tous un peu moins à genoux, donc peut-être qu'on en fait moins. Voilà, effectivement, ils n'ont pas le même niveau, donc ils n'enseignent pas les mêmes chose. Donc peut-être que le discours général s'adresse plus à des gens qui sont déjà formés ailleurs. Peut-être qu'ils s'y perdent moins. Alors que peut-être avant, c'était peut-être plus facile de raccrocher les wagons. C'est une sensation que j'ai. Parce qu'au niveau du staff, c'est à peu près les mêmes gens C'est à peu près les mêmes gens, en tout cas Pascal, Bruno, Fabrice. Après, Patrick aussi, Patrick Benesi enseigne depuis très longtemps. Il y a Philippe Orban qui enseignait, qui n'est plus là maintenant. Daniel Bourguignon qui assurait le cours du vendredi soir, qui n'est plus là maintenant. Philippe Bersani qui nous faisait les cours d'armes, qui n'est plus là maintenant aussi. Bon, voilà, donc il y a quelques enseignants qui sont allés et venus, mais Marc Bacrati a enseigné aussi au cercle. Mais il y a quand même pour les gens qui pratiquent depuis longtemps, on a eu les mêmes enseignants depuis 15, 20 ans. Oui, ça n'a pas bougé, oui. Ouais. Les enseignants ont bougé dans leur enseignement et dans leur pratique, bien sûr, mais puisque moi j'ai connu Pascal, il devait être 2e ou 3e dan, maintenant il est 6e dan, donc pour Bruno ça doit être pareil. Donc forcément, ça n'est plus le même contexte, mais peut-être qu'aujourd'hui, oui, c'est un petit peu plus des recherches personnelles de chacun pour les enseignants, oui. Ah, c'est difficile à évaluer parce que en fait, il y a des gens. Les circonstances économiques ont un peu évolué aussi pour les gens. Je pense qu'il y a moins de gens qui peuvent, ne serait-ce que économiquement parlant ou par temps, faire tous les cours du cercle. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a aussi un peu moins de visiteurs qu'avant de l'étranger. Moi, j'ai le souvenir de gens qui venaient de Pologne, d'Allemagne, qui restaient des mois et des mois au dojo à dormir. Ça, c'est quand même moins fréquent. Les gens font peut-être plus d'allers-retours, mais qui s'investissent pendant plusieurs mois dans le dojo, il y en a moins, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est plutôt du fait des circonstances économiques que d'autres choses. Alors du coup, des gens du cercle, ben, c'est un petit peu plus difficile à évaluer, parce qu'il y a des gens qui viennent ben, les midis. Il y a des gens qui viennent les soirs, mais c'est pas deux clubs différents, mais un petit peu. Alors les midis, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent, puisque pour nous c'est pratique, on a nos cours le soir, donc on vient s'entraîner les midis. Et les gens qui viennent un peu plus dans le cadre de leur loisir après le travail, ça va être les gens du soir. Donc je pense qu'il reste un groupe important de gens qui sont du cercle tissier. Après, des gens qui sont là pour faire tous les cours, je sais pas, on peut réduire à une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes qui sont vraiment, qui font tous les cours, qui sont investis, qui font tous les stages, voilà, et qui s'exportent aussi en dehors du dojo, qui suivent Christian partout. Voilà, on pourrait peut-être réduire à une vingtaine de personnes sur l'ensemble. Alors que l'effectif du cercle tissier, il est beaucoup plus important que ça.
Non, comme dit Christian, je suis un pur matériau vincennois, c'est-à-dire, oui, j'ai suivi, voilà, je ne me suis pas dispersée. Enfin, étant tombée dedans petite, la logique était de faire tout ce que faisait Christian, donc faire beaucoup ses stages. Après, j'ai beaucoup suivi Pascal Guillemin aussi, un peu moins Bruno dans ses stages, mais bon, parce que c'était la logique aussi de suivre les déchis voilà, dans leur stage. Donc non, j'ai fait essentiellement les cours du cercle, les stages avec Christian pour ma formation. Oui, essentiellement. Ouais. Alors, en fait, à contrario de beaucoup de mamans, c'est quand j'ai eu mon premier garçon que j'ai basculé à faire complètement de l'aïkido. Parce que Fabrice faisant la même chose, voilà, on avait un parallélisme de nos emplois du temps qui permettait à ce qu'on puisse garder nos enfants beaucoup dans la journée, puisqu'on travaille les midis, les soirs, les week-ends. Donc, on peut vraiment s'en occuper tout le reste du temps, voilà, consacrer du temps. J'ai beaucoup travaillé avant dans le domaine du jeu et du jouet. Domaine qui me parlait beaucoup, hein. J'ai travaillé en ludothèque, j'ai travaillé en magasin de jouets, sur l'événementiel, dans le jeu, donc ça c'est quelque chose qui me parle et qui me tient à cœur, hein. Mais voilà, au fur et à mesure j'ai eu de plus en plus de responsabilités, de cours, de stages à donner, et quand j'ai accouché de mon premier enfant, voilà, j'ai jamais vraiment décidé, mais ça a été dans la logique des choses de basculer complètement comme Fabrice, professionnel d'aïkido, pour harmoniser nos emplois du temps et s'occuper de nos enfants. Oui, alors Fabrice, lui, il a son dojo à Montreuil, en banlieue, où moi, j'assure les cours enfants. Et moi, j'ai ouvert depuis 10 ans un dojo dans le sud de Paris, près de la place d'Italie, où j'ai commencé, c'est un dojo municipal, hein, donc j'ai commencé avec 2 élèves. Et au bout de 10 ans, je suis très contente parce qu'on est à plus de 100 adultes. Donc c'est un dojo qui commence à bien tourner, où il y a des gens qui sont de chez moi depuis le début. Mais maintenant, du fait du parcours que j'ai, il y a des gens qui viennent, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Donc d'un seul coup, ces dernières années, il y a eu une espèce de densité qui s'est installée dans le dojo, avec des gens qui viennent, voilà, qui sont 4e dan, 5e dan parfois, qui viennent suivre mon enseignement en complément de ce qu'ils font dans leur propre dojo. J'ai des enseignants qui viennent aussi, donc ça donne tout de suite un corps et des responsabilités supplémentaires, bien sûr, à l'enseignement, mais au bout de 10 ans, il y a une partie du travail, en tout cas, de dojo qui commence à être faite, donc c'est très satisfaisant de ce côté-là. Alors, pour l'instant, j'essaye de garder vraiment une présence. Le dojo est encore trop récent, on va dire. J'ai pas encore de gens qui sont formés pour pouvoir me remplacer avec les diplômes adéquats. Donc il faut encore que les gens montent en grade et en diplôme. Donc je suis tout le temps présente dans mes cours. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de stages à donner les week-ends. Donc j'ai un peu plus d'une vingtaine de stages à donner. Donc c'est vrai que il va falloir bien, dans le futur, ça va être le vrai défi de pouvoir garder du sérieux dans les deux, mais c'est vrai que là ça commence, comme j'ai été en plus nommée cette année directrice, comment ça s'appelle, ça s'appelle plus DTR, c'est référente technique régionale pour la Normandie, avec la réforme du collège technique de notre fédération, donc je vais avoir des responsabilités supplémentaires, donc des obligations et des stages supplémentaires, quelques stages à l'étranger aussi qui commencent à se pérenniser. Donc ça commence à être une ouverture qui est très intéressante, mais il va falloir un peu de rigueur pour pouvoir essayer de mener les choses sérieusement et que personne ne soit lésé. Ça me semble important que les gens du dojo ne se sentent pas, entre guillemets, abandonnés, parce que c'est quand même le socle de la pratique. Pour un enseignant, c'est son dojo, à mon sens, c'est son dojo en premier qui est le plus important. Les gens qui forment, comment ils transmettent, mais qui va rester dans la pratique plus tard. Les stages, c'est très bien, hein, pour diffuser sa pratique, mais le socle, c'est le dojo. Je crois que, en fait, ce qui maintient l'envie de pratiquer, c'est simplement la joie d'être sur un tatami et d'être... la joie de faire des mouvements, de se faire pétrir, de pétrir les autres. Enfin, c'est des bonheurs simples, en fait. Je crois qu'il ne faut pas chercher... Enfin, en tout cas, pour moi, je ne cherche pas midi à 14h. Hein. C'est un plaisir simple et qui, du coup, est assez...
c'est assez facile d'y revenir. Voilà, on ne se pose pas trop de questions, même si, évidemment, il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres de monter sur le tatami. Il y a des moments, ce n'est pas qu'on est démotivé, mais on peut avoir mal partout, on peut être moins inspiré. C'est important de s'accorder des pauses aussi de temps en temps, pas de temps en temps d'avoir des moments sans pratique d'aïkido pour renouveler son inspiration, je pense. Et puis, moi, ça m'apporte beaucoup de sérénité, je crois, en fait, c'est le mot, beaucoup de stabilité. Fabrice faisant la même chose, je pense qu'on s'accorde beaucoup, on s'écoute beaucoup, on s'épaule beaucoup. Je pense que c'est très important aussi pour nous d'être à deux dans la pratique. Je pense que j'aurais pas le même profil si moi j'étais pratiquante et mon compagnon ne l'était pas. On en parle souvent avec les gens qui sont dans cette situation-là. Voilà, ils sont seuls pratiquants, c'est pas toujours facile de partager les joies, les peines du tatami, les responsabilités. Justement, Fabrice aussi a des responsabilités, il est DFR de Guyane à partir de cette saison, donc voilà, lui aussi est amené à voyager pas mal, donc on a le même genre de parcours et d'évolution dans notre parcours, donc ça nous permet d'échanger et de rester aussi de rester les pieds sur terre, voilà, de pas partir dans des considérations, avoir des idées, rester simple, voilà, ne pas se dire que si on a des stages, si on a des cours, si on a plus d'élèves, voilà, rester humble. Je pense que ça aide d'être à deux aussi là-dessus, ça ancre. Oui, ça aide pas mal à relativiser les choses et puis aussi à relativiser les choses qui iraient moins bien. Si demain, on n'est plus directeur d'une région ou si demain, on a une passe où on a moins de stages ou si on ne nous demande pas pour tel événement, c'est que ce n'était pas à nous de le faire ou ce n'était pas le moment. Nous, on essaye, vraiment, on a cette idée de rester honnête, simple dans notre pratique, sans arrière-pensée. Je pense que c'est un peu ce qui nous caractérise tous les deux. Enfin, je m'engage pour Fabrice, mais je crois que c'est un peu comme ça qu'on réfléchit. On est des gens pas compliqués, voilà, on aime la pratique, on aime les gens, on aime ce qu'on fait. On essaye de s'y attacher et d'y avoir toujours de la joie et de l'envie, voilà, tout simplement. Je crois qu'il n'y en a jamais eu. Je crois qu'en fait, très sincèrement, depuis 20 ans que nous sommes compagnons, il n'y en a jamais eu de la compétition, pas du tout. Moi, je considère Fabrice comme mon senpai, parce qu'il était plus gradé que moi déjà quand je suis arrivée. Donc en tant qu'ado, lui était déjà premier dan ou deuxième, je ne sais plus. Donc moi, c'était pour moi déjà de toute façon un référent. Je lui ai demandé de m'aider à réviser mon premier dan, tout timidement. Voilà. Donc ça a été le début de nos relations. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours mis Fabrice comme référent. J'ai suivi ses cours, à Vincennes, j'ai suivi ses stages. Je continue à les suivre avec plaisir. Rien ne me fait plus plaisir que de faire un stage avec Fabrice. Donc je pense qu'il n'y a jamais eu d'idée de compétition entre nous. Il y en avait déjà assez autour de nous ou d'autres gens avec nous, sans qu'on le veuille, pour que nous, en plus, on s'en mette dans notre relation et d'aïkidoka. Et on a su assez rapidement faire la passe des choses. Quand on est tous les deux pratiquants, on est pratiquants, on a une relation entre pratiquants. Quand il est enseignant, je suis élève. Quand on est, on sait faire la part des choses et on s'y retrouve. Mais de compétition, je crois que ça n'a pas eu lieu. Ni dans l'esprit de l'un, ni dans l'esprit de l'autre. Oui, c'est pas anodin, parce que comme effectivement pour nous, ça a été dur quand on est arrivé, on n'a pas eu envie que ça se reproduise pour le maximum de personnes avec qui on pouvait être en contact. Donc c'est quelque chose que, par contre, là pour le coup, c'est volontaire. On a toujours œuvré à essayer d'accueillir les gens, à essayer de faire en sorte, dans la limite de nos possibilités, parce qu'on n'est pas omniprésent non plus, on n'est pas, mais quand on s'entraînait beaucoup et tous les jours, c'était plus facile, bien sûr. Bon, là, on garde 2 midis par semaine, donc d'entraînement avec Christian, donc on essaye de toujours continuer, mais si c'est pas à Vincennes, ça va être dans les stages, ça va être dans d'autres occasions, ça va être dans plein d'événements où on est amené à rencontrer des gens. On essaie toujours d'être facilitateur de relations sans se laisser envahir soi-même. C'est un peu notre pendant, comme on est des gens assez ouverts, on essaie de garder dans la limite du raisonnable, des relations plus ou moins amicales avec les gens, plus ou moins, mais qui restent surtout facilitatrices pour qu'il y ait une bonne énergie qui circule et que si on peut, à notre moindre échelle,
contribuer, c'est vraiment dans notre envie, ouais, depuis des années, effectivement. Alors, j'ai toujours à l'esprit ce que disait Christian, c'est qu'il nous dit souvent que lui, il n'a pas appris à faire du suwariwaza. Il faisait du shiko, avec aucune indication, avec aucune technique, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup usés les genoux et qu'ils ont, et quand on discute avec beaucoup d'anciens, ils nous disent, oui, bah, nous, on y allait, mais on ne réfléchissait pas trop. Souvent, des pratiquants qui ont beaucoup d'expérience m'ont souvent dit qu'on pratiquait nos générations tout aussi physique, mais plus technique, et que la technique avait pallié au... Alors, effectivement, il y a de l'usure, forcément, mais elle est peut-être moindre. Peut-être qu'on a gagné en précision et en conseils à donner aux élèves. Et moi, c'est vrai que dans mes cours, je fais systématiquement du soirée du Hamyandachi, mais autant moi effectivement on m'a pas trop aiguillé sur comment placer les chevilles, comment orienter les genoux, comment placer les hanches, on marchait hein, et puis voilà, autant moi j'essaye de leur donner des indications plus précises corporellement, mais même pour les chutes avant, les chutes arrière, moi j'ai chuté, on m'a pas dit tu mets ta main comme ça, tu fais comme ci, alors qu'aujourd'hui oui je serais beaucoup plus pédagogue sur tous les choses à faire en amont de la pratique, comment se placer pour faire une chute, commencer à différents niveaux, peut-être au sol pour arriver debout. Et c'est vrai que moi, je continue à en faire parce que bah, ça fait partie de mon patrimoine, donc je le transmets bien sûr, mais avec peut-être plus de consignes et de sécurité puis corporelle pour pouvoir le faire plus longtemps, en espérant que ça marche. On en reparlera dans 20 ans, hein, j'en sais rien, j'aurais peut-être mal aux genoux aussi. Mais voilà, peut-être un petit peu plus de pédagogie et de consignes, peut-être que ça aide à perdurer plus longtemps. Alors, on me dit souvent, moi j'en ai pas la sensation interne, hein, mais on me dit souvent que j'ai un aïkido qui est clair et propre, voilà, qui est facilement lisible, facilement reproductible. Effectivement, moi j'essaye ça me semble être difficile d'arriver à faire quatre fois le même mouvement. Ça, c'est souvent Bruno Gonzalez qui nous le disait. Et si vous arrivez à faire quatre fois le même mouvement sans varier d'un détail, c'est que voilà, vous arrivez à ancrer des choses de manière très structurée. Donc j'ai gardé ça à l'esprit et c'est vrai que moi j'essaye de m'obliger à faire des choses jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que sans que cela n'enferme dans une rigidité de corps, peut-être que maintenant le travail que j'essaye de faire, c'est pas de se libérer de la forme, mais c'est de peut-être d'éprouver un peu plus. Je sais que ce que je dis à mes élèves, c'est de s'autoriser à faire des brouillons, à faire des choses pas belles, à faire des choses pas satisfaisantes pour eux, des choses plus rentre-dedans, des choses plus pour éviter d'être dans quelque chose de trop lisse, parce que le pendant extrême d'être clair et propre, c'est peut-être d'être un peu trop lisse. C'est un peu trop, c'est ce que je me dis à moi-même, donc peut-être faire des choses plus vivantes, parfois plus naturelles, plus spontanées, c'est peut-être ça ma recherche du moment, effectivement, oui. Ouais. J'ai pas d'a priori, en fait, je me mets pas de consignes à moi-même, je fais ce que j'aime faire. Souvent, si c'est un stage privé, je fais ce que j'aime bien faire en club à ce moment-là, explorer une sensation, explorer des placements, explorer diverses choses qui me travaillent moi quand je le fais en club. Mais je ne me mets pas d'a priori parce que de toute façon, ça va être différent parce que je suis une femme. Et que, pas, alors, je ne veux pas parler d'aïkido de femme et d'aïkido d'homme, hein, mais en tant que référent... de genre féminin, on va dire, forcément ça sera différent, différemment présenté, différemment vécu. J'essaye beaucoup de passer avec les gens. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, de faire sentir. Je m'inspire beaucoup de ce que fait Yoko Okamoto parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et elle le fait beaucoup dans ses stages. Elle passe avec les gens, elle donne de sa personne, elle transmet vraiment corporellement, quoi. Et c'est vrai que j'ai répondu à une interview il n'y a pas longtemps où je disais, c'est vrai que quand je vais voir des gens en stage, j'essaye de les convaincre corporellement. Et pas par le discours. Parce que finalement, les gens, nos pères nous reconnaissent dans ce genre de discipline martiale parce qu'on les convainc physiquement à un moment. C'est pas, moi, c'est mon idée. Donc, j'essaye beaucoup de transmettre en leur faisant sentir ce que je fais. Voilà, c'est un peu mon idée. C'est une complémentarité de la pratique, c'est-à-dire que moi j'ai eu essentiellement, majoritairement des référents hommes
Alors, qui étaient tous bienveillants, qui étaient tous très structurants, qui étaient tous à traitement égal. Hein. Il n'y a pas eu du tout ni de discrimination positive, ni de mise à l'écart de la part des enseignants. Hein. Voilà, donc moi, je n'ai pas senti de différence de traitement. Donc, je peux dire que c'était égal, entre guillemets, que j'ai des référents hommes ou femmes comme enseignants. Malgré tout, c'est quand même une porte d'accès plus facile pour une pratiquante d'avoir une référente au départ, parce que c'est peut-être plus rassurant. Peut-être que le pas sera un peu plus difficile, peut-être, si c'est un référent homme au départ. Je me réfère beaucoup aux cours que je donne à l'université, parce que j'ai des cours pour les étudiants à la fac, et il se trouve que l'aïkido, donc je suis dans le pack arts martiaux, et je suis la seule enseignante femme, et l'année dernière j'avais 73 inscrits, et une large majorité écrasante de filles. Donc je pense que quand même pour un débutant, c'est un peu plus facile si au départ ils ont quelques référents femmes pour pouvoir avoir des options. Après c'est pas grave, je pense que dans la mixité de la pratique et la mixité de l'enseignement fait que tout ça, ça se compense après et que c'est pas essentiel. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste pas sur les enseignants femmes ou hommes, c'est juste des enseignants tout court. Mais peut-être que comme une première porte d'accès, oui, c'est plus facile, peut-être. Peut-être que oui, avec les efforts qui sont faits de toutes parts, comme tu disais, de la part de l'État, de la part de la politique en général, de la part de la politique de l'IAF, de la part de... Voilà, il y a des choses qui bougent, les lignes bougent, donc peut-être que ça permet des ouvertures et que les femmes se disent que oui, peut-être elles ont plus d'opportunités qu'elles ne le pensent. Mais il y a plein de choses qui sont concomitantes parce que moi, quand j'étais enceinte, j'ai continué à pratiquer de manière très adaptée et surtout à enseigner jusqu'au bout de mes grossesses. Et c'est vrai qu'ensuite, la fédération m'a contactée en me disant « bah oui, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça, mais oui, il y a tout à fait possibilité à ce que... » Donc j'ai dû partager mon expérience pour voir jusqu'à quel point les femmes pouvaient continuer à être intégrées dans les dojos quand elles étaient enceintes, c'était pas limitatif, c'était pas contre-indiqué, voilà, s'il y avait des précautions à prendre, enfin voilà, il y avait... Donc je pense que les lignes bougent et peut-être que dans le futur, là on est au tout début, mais qu'il y aura plus d'opportunités pour les femmes de se sentir capables, invitées, plus de place, à s'engager plus dans la pratique, oui, plus sur le long terme, sans rupture, sans trop de rupture dans la pratique, ouais. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a encore des résistances. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a encore les deux possibilités, c'est-à-dire pas trop laisser de place parce que traditionnellement, il n'y a pas besoin, ou leur laisser une place limitative au court enfant, ou petites responsabilités, les petites mains, quoi, voilà. Et puis, d'un autre côté, il y a d'autres... Enfin, voilà, je pense qu'il y a une collision de générations. On est sur une transition. Donc, il y a des gens qui veulent absolument faire place neuve, faire apparaître une vraie mixité. Et puis, il y a encore des poches de résistance, ouais, forcément, voilà, on n'a pas encore fini la transition, donc c'est normal qu'après, dans les faits, il n'y ait pas encore beaucoup de gens, de femmes au gradé. Il va y avoir, on en discutait avec Vilkovis Vrisman, c'est vrai qu'il va y avoir un trou de génération le temps que les choses changent. En dessous de ma génération, il va y avoir je pense qu'il y a un gap, il y a un trou. Et puis peut-être qu'après, on va reformer un socle, un nouvel appel d'air. Mais des jeunes aujourd'hui qui auraient effectivement entre 20 et 30, qui pourraient assurer la suite, on a un manque là. On a un manque parce que peut-être elles ne se retrouvent pas encore dans le futur. Peut-être qu'elles n'envisagent pas un futur possible très investi. C'est une question qui n'est pas facile, effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, 18-25 ans, qui sont potentiellement intéressés par l'aïkido, parce que justement, ça donne une voie pour se défouler, se dépenser, mais sans compétition, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui leur pèse dans leurs études, dans les pressions pour le boulot après. Enfin voilà, ils ont une multitude de choses qui s'accumulent. Donc là, ils ont une discipline qui leur propose juste de se libérer sans avoir d'arrière-pensée, voilà, ou d'objectif. Donc ça, je pense que c'est un vrai argument en notre faveur. Et c'est aussi, on a aussi quelque chose, c'est qu'on, voilà, on se différencie du judo et du karaté parce que c'est peut-être un peu moins rentre dedans, peut-être, du fait qu'il n'y a pas de combat vraiment,
Mais il faut bien leur présenter la chose, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à acheter n'importe quoi non plus. Donc il y a peut-être qu'avant on pouvait se contenter d'être l'enseignant et que les élèves viennent à nous. Je pense qu'aujourd'hui, le travail de l'enseignant, c'est à nous d'aller chercher les élèves un peu plus, essayer de diversifier les publics et d'aller chercher les jeunes là où ils sont pour leur dire oui, l'aïkido, c'est bien, ça va vous faire du bien et vous allez pouvoir vous défouler et vous dépenser. Parce qu'en fait, ils cherchent un aïkido qui est dynamique. Ça leur casse les pieds, un aïkido qui serait trop intellectuel, parce que moi j'ai des étudiants qui font des études en sciences, enfin voilà, qui font des choses assez poussées. Ils n'ont pas envie de faire encore quelque chose de très mental. Ils ont envie de se défouler dans un cadre qui leur convient bien, parce que c'est ritualisé, parce que c'est quand même très technique l'aïkido, donc ça leur va bien. Mais peut-être qu'on a un profil de pratiquants. Bon, l'aïkido, de toute façon, a un profil de pratiquant d'une manière générale. Hein. On le sait que dans les études statistiques, on n'est pas dans toutes les catégories socio-professionnelles. Bon, c'est pas, voilà, c'est de fait. Et effectivement, dans les étudiants, peut-être que oui. Dans les jeunes, peut-être que oui. Mais il faut aller les chercher parce qu'en fait, la culture japonaise leur plaît. En tout cas, du point de vue des petits Français que j'ai, la culture japonaise leur plaît. La culture manga, la culture, tout ce qu'on veut. Voilà. Et la recherche de se libérer, de se défouler tout en apprenant un art martial. Alors il peut y avoir aussi l'aspect self-défense, confiance en soi, maîtrise de ses émotions. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de champs sur lesquels on a notre public. Franchement, on l'a pour la prochaine génération. C'est vrai que les arguments qu'on avait tendance à présenter avant, quelque chose de très traditionnel, qui correspondait peut-être à une espèce d'univers, années 70, 80. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça l'argumentaire qu'il faut qu'on développe, effectivement. Mais encore une fois, les jeunes sont complètement convaincus. Enfin, quand je vais prendre des exemples, quand dans The Walking Dead, il y a un personnage qui fait de l'aïkido, c'est génial. Quand ils trouvent dans une série japonaise un personnage qui fait de l'aïkido, c'est génial. Quand La Casa des Papel, ils ont un épisode dans la troisième saison qui parle d'aïkido, c'est partagé à mort sur les réseaux sociaux parce qu'on parle deux minutes d'aïkido. Enfin, je trouve que quand même, il y a des signes qui me disent que l'aïkido a une bonne image et une bonne presse et qu'il faut qu'on l'utilise parce que ce soit des pratiquants ou des non-pratiquants, ça les interpelle qu'on parle d'aïkido dans leur série préférée quand même. Mais il faut trouver un argumentaire qui leur parle de manière un peu plus moderne, un peu plus tangible, un peu plus pragmatique peut-être. Oui. Oh, on dit souvent que l'aïkido c'est une grande famille, donc c'est vrai. Pour plein de choses, je pense, j'ai fait du volleyball, j'ai fait de la natation, j'ai fait d'autres activités sportives. Bon, outre la compétition que je mets de côté parce que ça ne plaisait pas du tout. C'est vrai que l'aïkido, il y a une espèce de structuration du système qui fait que c'est quelque chose qui me semblait, en tout cas quand j'étais adolescente, très constructif. Je ne savais pas l'expliquer. Aujourd'hui, je saurais mettre des mots, mais voilà, c'était quelque chose d'intuitif. J'avais la sensation que les gens qui étaient au-dessus de moi, mes senpai, les gens de toutes les générations qui étaient proches de moi, les gens qui étaient en dessous de moi et mes enseignants, voilà, tout ça formait un tout. On allait quelque part, on y va tous ensemble et ça va être bien. Il y a quelque chose de très structurant, rassurant. Je pense que tant dans la richesse des échanges entre les gens, tant les relations qui se nouent au fil de 10, 20 ans de connaissances, ça c'est peut-être unique. Enfin, pour ma part, dans toutes les activités sportives que j'ai faites, c'est la chose qui est peut-être la plus unique. Et souvent, les pratiquants viennent, alors ils viennent pour la pratique, mais ils viennent beaucoup pour le lien social que ça crée, pour la famille qu'ils n'ont pas, pour d'autres d'autres raisons, mais ce lien et ce... Enfin, voilà, là, je vois en étant ici, il y a certaines personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas. Bon, bah, y a une espèce d'émulsion qui se fait, on fait les mêmes choses, on participe aux mêmes activités, on a la sensation de travailler pour quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous baigne dans la même famille au-delà des frontières, qui est quand même assez exceptionnel, je trouve, en Aïkido. Nous sommes en train de faire les répétitions aujourd'hui pour l'Mbukai qui aura lieu demain pour cet événement à Iwama. Donc il y aura trois parties de 2 minutes avec, donc moi je passe en dernier. D'abord il y aura des techniques de base, il y aura une partie pour les révisions, pour les armes plus Iwama et ensuite une partie plus de travail un peu libre. Donc moi ce qui prend du temps c'est surtout de
s'accorder pour tout ce qui est salut, étiquette, voilà, que tout le monde soit synchronisé. C'est pas tellement pour l'étiquette, mais c'est pour que le rendu soit propre et correct. C'est souvent ça qui prend beaucoup de temps dans les démonstrations. J'ai envie de dire, par rapport à des démonstrations habituelles, pas plus que d'habitude. C'est toujours le jeu, voilà, on a un effort fourni à faire en très peu de temps. Voilà, faut qu'on donne le maximum, comme dans toute démonstration, généralement sans échauffement, et donner le meilleur. Donc voilà, ça fait partie du jeu, et voilà, c'est comme d'habitude. Pour les gens de l'IAF, c'est quelque chose qui est très honorant d'y participer, voilà, et puis qui permet de créer des connexions entre les gens à l'international, et puis de se dire qu'on est une grande famille et qu'on participe à quelque chose qui nous dépasse un peu, voilà, qui est un peu grand. On n'en comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, et là c'en est un vrai événement concret, voilà, donc c'est très important quand même. Hey!